So welcome everyone, good evening, good afternoon, good morning, wherever you are in the world. We warmly welcome you to our session on knowledge sharing as part of the Global Green Growth Week Conference 2022. Before we start, avant de commencer la session, je voudrais mettre, jouer une vidéo de son excellence Ban Ki-moon, le président. Il sera là pour faire les remarques du début. Excellence, distingués participants et invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Semaine mondiale de la croissance verte de cette année, organisé par l'Institut mondial pour la croissance verte. Votre participation est la preuve que nous, la communauté mondiale, exigeons une action en faveur du climat. Et je tiens à vous remercier pour les efforts pour stimuler et renforcer la croissance verte. La crise climatique est peut-être la crise la plus marquante de notre époque. Chaque année, nous pouvons lire et entendre de plus en plus d'éléments sur les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Et cette année s'avère être l'une des pires années à ce jour avec des inondations records, des sécheresses et des vagues de chaleur qui entraînent des déplacements d'individus, des crises alimentaires, des feux de forêt qui perturbent et détruisent la vie de millions de personnes. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un avenir meilleur. Nous devons travailler ensemble pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes si nombreux à vous réunir pour échanger des idées, des solutions, des pratiques, de bonnes pratiques sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique, le cadre que j'ai contribué à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Je suis particulièrement heureux de savoir que vous êtes nombreux à venir des quatre coins du monde, notamment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient et du Pacifique, et qu'un grand nombre de solutions qui seront discutées proviennent des femmes et des communautés autochtones qui sont les plus touchées par le changement climatique. Je vous encourage à profiter pleinement de la Semaine mondiale de la croissance verte et à échanger activement les uns avec les autres en tant que champion et praticien de la croissance verte. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous, car le changement climatique ne connaît pas de frontières et ne fait pas de discrimination fondée sur la race ou la classe sociale. Nous pouvons transformer nos économies et nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif, uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis sont difficiles et il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble de toute urgence, nous pouvons y parvenir. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous vous joindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fructueux et réussis pendant cette Semaine mondiale de la croissance verte. Je vous remercie. Thank you. All of us partaking in this session recognize that enhancing knowledge sharing, capacity building worldwide will help experts and institutions promote inclusive green economic policies, practices, and actions. Les différentes politiques et les actions au niveau local et régional. Durant cette session, nous allons explorer comment est-ce que
L'inclusion sociale à travers trois grands points, les preneurs de décision, le secteur financier et le secteur des entreprises de business. Alors, nos différents panélistes vont explorer et renforcer la capacité de différents points de vue, favoriser la compréhension intergénérationnelle et soutenir l'action collective entre les différents groupes de la société, essentiel pour un changement de comportement du niveau gouvernemental au niveau communal et des ménages. Alors, nous aurons quatre présentations aujourd'hui. Chacune des présentations prendra environ 10 minutes, donc vous aurez 10 minutes pour différentes présentations. Après chaque présentation, nous aurons des questions de clarification avant de continuer aux prochaines présentations. Après avoir, lorsque nous allons finir les quatre, nous aurons une session questions-réponses. Alors, vous pouvez lever votre main au cas où vous avez des questions. Ou vous pouvez juste le noter et les inscrire dans le chat box. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Dr. Bassam, qui est là avec nous aujourd'hui, il travaille au niveau de l'Institut de Public Administration au niveau de l'Indonésie, pour qu'il puisse partager sa présentation. Avant qu'il commence sa présentation, je voudrais discuter un peu de Dr. Bassam. Il a obtenu son doctorat en administration publique en 2013 à l'Université d'Indonésie. Il a été un acteur clé. Il a joué un rôle très important dans le processus de pouvoir mettre en place le plan national de formation en leadership. Il a participé aussi à mettre en place le modèle le plus récent. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr. Bassenk. Merci beaucoup, Mona. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager aujourd'hui mon expérience en Indonésie. Surtout à mettre en place une formation sur la croissance verte, une formation mondiale sur la croissance verte en Indonésie. Ce soir, je voudrais aussi parler de mon expérience et aussi l'expérience de mes différents collègues, l'expérience de mettre en place cette formation sur la croissance verte. Parce que nous avons un temps assez limité, laissez-moi partager mon écran. Je pourrais maintenant partager mon PowerPoint et les différents diapos. J'espère que tout le monde peut voir ma présentation. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager mon expérience. Je viens de l'Institut d'administration publique et j'aimerais partager mon expérience de développement de la première formation en croissance verte de l'Indonésie. Premièrement, je vais parler du contexte. Pourquoi est-ce que nous avons cette formation en croissance verte en Indonésie? Et deuxième, j'aimerais parler de la trajectoire que nous avons pris. Comment est-ce que nous avons mis en place cette formation sur la croissance verte? Laissez-moi commencer avec le contexte. Comme nous le savons tous, l'Indonésie a adopté les engagements des accords de Paris. Et l'un des engagements adoptés est d'équiper les travailleurs du gouvernement avec les compétences sur la croissance verte, les travailleurs gouvernementaux. Au-delà de cela, l'Indonésie prend soin, est impliquée au niveau de la croissance verte, vu que nous faisons partie des pays en voie de développement. Nous sommes un pays très ambitieux
Nous avons un programme économique très ambitieux. Et dans notre planification, nous nous sommes engagés d'avoir une croissance économique de 5,5% jusqu'en 2045. Et cet objectif est pour 2045 parce que ça fera 100 ans depuis l'indépendance de ce pays. Je pense que nous devons faire beaucoup attention en voulant atteindre cet objectif de croissance économique. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous finirons par avoir de l'impact sur l'environnement. Et vu que je travaille au niveau de l'Institut national d'administration publique, qui est l'institut en charge d'équiper et de former les travailleurs gouvernementaux sur les compétences en termes de croissance verte, la première des choses que nous voudrons réaliser, et d'avoir une formation légale sur la croissance verte. Avoir un curriculum de formation assez légal. Et cela peut être appliqué pour tous les travailleurs gouvernementaux partout en Indonésie. Et pour le moment, cette année, nous avons 4,3 millions de travailleurs gouvernementaux. Et parmi ces 4,3 millions de travailleurs, nous avons des managers, nous avons aussi des personnes qui sont chargées du suivi. Donc, le but est d'équiper tous ces travailleurs avec une formation sur la croissance verte, de les équiper des compétences en croissance verte. Afin de réaliser cet objectif, il est très important pour mon organisation, l'Institut national d'administration publique, d'avoir une formation assez formelle. Nous devons avoir une formation assez obligatoire pour tous les travailleurs gouvernementaux. Et pour avoir cela, il y a eu une histoire pour la mise en place et la mise en œuvre de cette formation. Nous avons commencé en 2014 et maintenant, nous sommes à la phase de mise en œuvre de la formation, du programme de formation. Nous avons déjà produit des alumni du programme, des participants. Nous avons déjà équipé des participants avec des compétences en croissance verte. De façon beaucoup plus formelle, nous avons eu à mettre en œuvre cette formation en 2019. Et cela a été inclus dans les régulations et dans les décrets gouvernementaux 704 de 2019. Donc, formation est inclue au niveau des décrets. Donc, nous avons déjà ce module de formation. Pour dire, nous avons eu une histoire afin de pouvoir mettre en place cette formation. Et comme vous le savez, il n'y a pas un grand nombre de travailleurs gouvernementaux qui mettent en priorité une formation en croissance verte. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps de pouvoir commencer cette formation. Nous avons commencé depuis 2014 jusqu'à maintenant, et nous avons essayé d'inclure les décideurs en Indonésie. Malheureusement, nous avons eu un partenaire. Heureusement, nous avons eu GGGI, le bureau d'Indonésie, qui nous a assistés depuis le tout début. Nous avons eu des discussions, des échanges, nous avons eu des visites de terrain, nous avons visité quelques bureaux gouvernementaux.
Il y a un grand nombre de personnes au niveau des bureaux gouvernementaux qui ont réalisé l'importance de cette formation. Et cela a commencé depuis 2015, 2016, 2017. Et ensemble avec GGGI, Bureau d'Indonésie, nous avons été capables de mobiliser des membres très importants des bureaux gouvernementaux. Et finalement, nous avons essayé de mettre en place un curriculum assez formel pour les travailleurs gouvernementaux en Indonésie. Et cela, nous commençons par les niveaux grades, les grades les plus élevés aux grades les plus bas. Et nous avons réussi à avoir ce programme, à mettre en place ce programme en 2019. Et à partir de ce moment, à partir de 2019, et nous avons conduit un certain nombre d'activités afin de promouvoir cette formation. Nous avons fait beaucoup de promotions. Nous avons un logo spécial que nous avons mis en place pour cette formation en croissance verte. Et après cette formation, nous devons aussi préparer comment réaliser ce curriculum. Alors, nous avons réalisé assez de préparation, comme une formation des formateurs, parce que nous savons qu'il est très important de renforcer les capacités des formateurs pour qu'ils soient assez formés. Ensuite, nous avons essayé de mettre en place et d'écrire des modules. Avoir des équipements d'enseignement, de matériel d'enseignement, des vidéos. Et durant la période de la pandémie de 2019 à 2020, nous avons travaillé ensemble avec, un Learning Management Institute, avec des systèmes d'enseignement en ligne. Et à partir de 2019, nous avons eu des formations en croissance verte, plusieurs formations en croissance verte. Et nous avons essayé de diviser ces différentes formations à travers les différentes provinces du pays. Nous avons essayé aussi d'avoir plusieurs de différentes provinces. Et dans le futur, nous espérons d'avoir beaucoup plus de bureaux gouvernementaux qui seront formés et qui vont s'améliorer et qui vont augmenter leurs compétences en croissance verte. Alors, c'est ce que nous avons pour le moment. Nous continuons ce processus et nous sommes en train d'améliorer cette formation. Nous espérons que bientôt, dans le futur, plus de personnes, plus d'officiers du gouvernement spécialement, pourront s'adapter et s'habituer à ce programme. Alors, Mona, je pense que c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. J'espère que nous avons assez de temps afin de pouvoir avoir des questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Basseng, pour votre présentation. Merci pour l'excellente présentation. J'étais très intrigué par toutes les étapes qu'il y a eu afin de pouvoir mettre en place ces formations et renforcer la capacité de ces travailleurs en croissance verte. Je ne vois pas de questions de clarification pour le moment au niveau du chat. Nous avons quelques questions, mais je pense que nous pourrons remettre ces questions à la fin. Alors maintenant, je vais passer à notre prochain panéliste et présentateur, qui est M. Auguste Ergren, qui est manager de projet pour Habitat de Nengi. Le thème sur lequel il présentera, c'est les innovations techno-climatiques qui peuvent promouvoir la connaissance sur les problèmes de l'environnement.
Il est beaucoup impliqué sur le domaine de l'environnement et il travaille beaucoup dans différentes formations sur les crises climatiques, sur la biodiversité et sur le développement durable. Ce sont entre autres les thèmes sur lesquels il travaille. Alors, je vais passer la parole à M. Auguste pour son allocution. Bonjour à tous. Je m'appelle Auguste. Je viens de la Turquie. Je travaille comme project manager à Habitat. Aujourd'hui, je vais mentionner quelques-uns de nos projets sur lesquels nous travaillons. Alors, Habitat Association est une ONG, organisation non gouvernementale, qui est établie en Turquie. Et l'association a été créée en 1997. Nous avons reçu des volontaires à partir de 1997 et nous avons essayé d'envoyer ces volontaires dans différentes parties de Turquie sans discrimination de religion, de genre, de peau, de race. Et Habitat aussi travaille aussi avec plusieurs groupes afin de renforcer leurs capacités. L'accès à plusieurs opportunités et à la participation au processus de prise de décision. Alors, qu'est-ce que nous faisons exactement? Nous organisons des projets. Et nous focusons beaucoup sur la transformation digitale, l'inclusion, le développement durable. En termes de croissance verte, en termes du programme de durable, développement durable, nous sommes en train de trouver des solutions. Les différents thèmes. Nous travaillons aussi de trouver des solutions pour tout cela. Il y a un grand nombre de personnes en Turquie qui ont mis en place des business verts grâce aux différentes compétences que nous les avons incluses. Nous travaillons aussi avec les petites et moyennes entreprises. Dans ce programme, nous réalisons des idéatons sur l'inclusivité, sur le développement durable. Nous avons des podcasts aussi que nous avons sur les différents sujets. Nous avons aussi des programmes de mentorat pour les petites et moyennes entreprises afin de développer leur présence sur le développement durable et sur le business vert. En addition, nous avons développé des outils d'entrepreneuriat vert et social. Alors, ces outils sont très importants en Turquie. Alors, dans notre processus, il est très important de pouvoir trouver les bons partenaires afin de pouvoir mettre en place des projets qui sont applicables sur le terrain. Alors, nous voulons qu'il y ait des bénéfices des projets partenaires, mais aussi en termes d'information. Alors, les partenaires de projet font partie, en fait, de la mise en œuvre, des processus de mise en œuvre. Par exemple, si nous travaillons avec une entreprise de logiciels comme Hackathon, nous invitons aussi les entrepreneurs à succès à faire partie de ces différents projets. Et cela nous permet de pouvoir avoir plus de projets viables, plus d'idées de projets viables. Alors, tout ce processus
on rencontre souvent des difficultés. La première difficulté, c'est l'accès à la technologie. Pas tout le monde en Turquie a un accès assez égalitaire à cette technologie. Nous avons un projet qui permet de soutenir les personnes qui n'ont pas accès à la technologie. Mais souvent, ce n'est pas assez afin de permettre à ceux qui le veulent de pouvoir avoir accès à la technologie. Alors, nous essayons de trouver des sponsors. La deuxième difficulté que nous avons, c'est de trouver des fonds pour les startups. Alors, parce que mettre en place une startup peut coûter extrêmement cher. Nous avons des partenaires de certains projets, nous avons des sponsors, des donateurs qui peuvent aussi soutenir ce processus de mettre en place une startup. Je ne suis pas sûr que la dernière difficulté est très souvent un problème, mais souvent, les solutions non globales. Les problèmes globaux. Nous pouvons, par exemple, croiser des petits problèmes techniques. Alors, je pense avoir fini avec ma présentation. Merci pour votre attention. Vous pouvez voir nos pages sur les réseaux. Voilà, merci beaucoup. Session, lots of questions will be directed to you regarding how do you overcome those challenges, especially when you're looking at very specific local solutions and trying to find resources to. Especially quand lorsque vous essayez de trouver des ressources afin de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur et pour trouver des solutions. Alors je vais maintenant passer la parole à notre troisième présentateur qui sera Sancho et Innocent Ona. Il présentera sur le financement de la nature, les politiques et le développement. Et ce sera développé par Sancho, qui est le directeur pays de la plateforme Green Gulf, et Innocent Ona, qui est le chef qui est en charge des ressources naturelles au niveau de la Banque africaine de développement, la BAD. Sancho a travaillé en tant que spécialiste de changement climatique et au niveau de l'office Rwanda. Elle travaillait avec le gouvernement pour la mise en place de politiques en croissance verte. Et Dr. Innocent Ona, un expert en développement durable, et il est vraiment intéressé par l'intersection entre les politiques, la gouvernance et les ressources naturelles. Il travaille actuellement pour la Banque africaine de développement, la BAD, en tant que responsable des ressources naturelles, et qui travaille avec les banques sur le capital en ressources naturelles des différents pays. Et les ressources naturelles peuvent aider ces pays en changeant de transition. Et ils travaillent au niveau de plusieurs pays africains. Alors, je vais maintenant passer la parole pour votre présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Ona. Je vais partager mon écran. Bonjour. Je pense que c'est un honneur de pouvoir présenter cette présentation avec mon collègue, M. Innocent Ona. Alors, je vais discuter de la première moitié de cette présentation pour discuter de ce que notre association a réussi à faire au niveau du financement de la nature dans les cinq dernières années. Ensuite, je vais passer la parole à Innocent Ona afin de pouvoir discuter de notre collaboration avec la Banque africaine de développement. Et comme peut-être vous le savez ou ne le savez pas,
DJ Kepa Kepi est un partenariat qui a été établi en 2014. Et cela a été le premier focus était sur les panneaux de décision. Et cela a été commencé par 4 membres qui incluent DJI. Nous avons OECB, la Banque mondiale et le programme environnemental des Nations Unies. Et nous avons réussi à joindre 2 communautés, comme la communauté de finance, la communauté de business. Et nous avons essayé d'installer, nous avons mis en place le Green Finance, la plateforme de financement vert. Et ce que nous faisons, nous avons 4 différentes activités que nous discutons autour de la connaissance. La connaissance générale, le management, et nous avons en 2020 ajouté un autre type de connaissance. Et juste pour vous donner une idée un peu de ce que nous faisons, si vous avez, dans notre politique de vert, nous avons plus de 11 000 connaissances, nous avons plus de 90 partenaires partout le monde, et nous partageons aussi des articles de journaux sur des aspects de la croissance verte et sur quelques-uns de nos partenaires. Et nous avons des blogs très intéressants, nous avons des experts sur la croissance verte, nous avons aussi des gens qui travaillent sur le terrain, et nous avons aussi notre propre webinar où nous travaillons sur différents aspects de la croissance verte. Et notre plateforme de politique est beaucoup plus basée sur la génération, sur comment générer de la connaissance. Et nous avons 10 experts de groupes de travail avec des experts qui se focus sur comment est-ce que pouvoir mettre cette connaissance. Et nous travaillons beaucoup sur le changement de comportement, sur l'inclusivité. Et depuis 2020, nous avons décidé de nous concentrer beaucoup sur l'application de la connaissance sur le terrain. Et comme je l'ai mentionné, nous avons eu 10 groupes de travail avec des experts. Et ces groupes de travail avec des experts est de pouvoir mieux intégrer la nature dans la planification des programmes nationaux de croissance verte. Et comme vous le savez, beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu des ressources naturelles. Et le capital de nature embrasse en fait cette notion de ressources naturelles, comme le gaz, le pétrole, les minéraux, et comme aussi d'autres parties de la nature, comme les forêts, l'air, l'eau, et l'écosystème général qui peut générer et qui peut apporter des bénéfices aux êtres humains. Donc tout cela fait partie du capital de la nature. Et nous avons des zones, en fait, où il y a des manques de connaissances que nous essayons de remplir. Nous sommes d'avoir des données sur le capital naturel des pays. Nous avons des politiques sur le capital. Et nous avons d'autres documents qui discutent de d'autres sujets assez intéressants. Et aussi, nous continuons, en fait, d'utiliser cette méthodologie afin de réduire le manque de connaissances sur le capital. Et nous avons commencé avec 10 pays, maintenant nous travaillons avec une vingtaine de pays. Et nous essayons de soutenir ces pays afin de pouvoir couvrir 80% du PIB global. Alors, ce sont nos groupes d'experts sur la photo. Ils sont vraiment actifs depuis 2017 à 2020. Ils ont vraiment essayé d'identifier les problèmes et le manque de connaissances en données capitales. Et c'est grâce à ce travail qu'on a réussi à avoir le document que je vous ai présenté sur la diapo précédente. Et aussi, nous avons essayé d'avoir un partage de connaissances sur le capital naturel. Nous avons eu plus de 550 projets de recherche. Et sur notre page de capital naturel, nous avons eu plus de 850 produits de connaissances en total. Nous avons organisé plus de 8 webinaires et ces webinaires étaient beaucoup plus focus sur le capital naturel.
En plus de ces experts groupes à capital naturel, nous avons eu une zone dans laquelle nous focusons beaucoup, était l'institution, par exemple, comment est-ce que les institutions mondiales peuvent intégrer ce concept, dans les opérations journalières. Et puis, nous avons essayé de travailler avec l'OECD et nous avons essayé de revoir la politique de croissance verte. Et aussi avec GGI, nous avons collaboré afin de générer un cadre légal, True Return. Et True Return signifie l'investissement financier au niveau du terrain. Quels sont les retours? Parce que le but est de comprendre aussi quels sont les retours sur le capital naturel. Et la première chose est de définir la méthodologie, comment est-ce que c'est fait. Et ensuite, comment est-ce que cela peut être appliqué dans trois différents districts de pays. Nous avons, par exemple, eu trois différents districts au Myanmar. Et nous avons essayé d'expandre cela au niveau de d'autres zones au niveau du Myanmar. Et nous avons eu une application aussi de ce projet en Ouzbékistan. Aussi, il y avait en collaboration avec la FDB. Nous avons essayé de partager la connaissance sur le capital naturel. Vu que la FDB mène plusieurs opérations qui sont liées à la mise en place d'infrastructures financières. Et pour cela, nous avons eu pour but de pouvoir lier cela aux finances et spécialement lier aux pays africains. Et maintenant, je voulais maintenant passer la parole à mon collègue Innocent Ona pour partager ce qui a été fait, ce que nous faisons et comment cela a été et comment est-ce que l'AFDB a décidé d'intégrer cela. La BAD. Merci beaucoup pour cette excellente introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la BAD a une collaboration assez différente à travers le capital naturel pour le programme de développement africain. Et cela est une formation entre JKB et la BAD. Et nous essayons de voir les différentes approches possibles au niveau du financement en Afrique. Alors, ce programme est dirigé par WWF et cela, nous avons d'autres membres de la communauté, des membres de fondation, ASD aussi qui fait partie. Alors, on peut dire que ce programme est beaucoup plus basé sur mettre les finances, développer des cas de business sur le capital naturel. Intégrer les capitaux naturels au niveau des grades africains, aussi renforcer les capacités sur les capitaux naturels. Alors, le programme travaille au niveau de quatre piliers. Le premier pilier travaille sur les différentes approches d'application du capital naturel sur les projets de l'AFDB. Nous avons eu deux exemples, le Mozambique et la Tanzanie. Nous avons essayé d'avoir un projet avec les portfolios des projets qui ont pris place en Afrique subsaharienne. Et nous travaillons aussi avec l'Institut mondial des ressources. Au niveau du deuxième pilier, c'est avoir une vision assez commune sur comment est-ce que nous allons essayer de développer. Nous avons aussi un groupe technique qui travaille sur le financement au développement. Le troisième pilier, nous allons sur le capital naturel en crédit. Et nous travaillons aussi sur un programme de recouvrement grâce à la nature en Afrique. Et alors, nous allons terminer maintenant avec le quatrième pilier qui stipule le fait de pouvoir développer des modules de formation afin de pouvoir inclure le secteur public, le secteur
privé africain et afin qu'ils puissent comprendre plus le capital naturel. Et nous voulons créer une académie de capital naturel. Alors, nous travaillons au Centre africain de management de natural resources et cela est managé par la BAT et c'est Dr Vanessa Ushi qui travaille comme directeur. Alors ce centre a été créé en 2013 et ce centre a été mandaté à pouvoir assister des pays africains afin de maximiser les produits et les dérivés des ressources naturelles. Et le but est de choisir des aspects du management des ressources naturelles, des politiques de formulation, de mise en œuvre qui peut permettre d'avoir une valeur beaucoup plus importante en termes de développement. Et aussi soutenir un écosystème d'investissement. Et c'est ce dont l'Afrique a besoin actuellement. Prochaine diapo. Alors, le NC4-ADF soutient le centre à travers trois piliers. Et nous avons essayé de développer une nouvelle stratégie. Et cette stratégie s'appelle le management des ressources naturelles. Et cette stratégie va commencer à la fin de cette année. Et les trois piliers de cette stratégie, c'est la gouvernance des ressources naturelles, comment mettre en valeur le capital naturel et aussi la facilitation en termes d'invitation. Et cette stratégie a été mise en place grâce aux différents succès des programmes de ADF. Et nous voulons être sûrs que nous pouvons intégrer une partie des fonds en assistant les pays membres en termes de connaissances, de renforcement des capacités, d'expertise technique et aussi de plaidoirie. Et aussi des conseils sur la mise en place de politiques. Avec le travail et le partenariat avec GGK, nous espérons de pouvoir continuer ce processus en pouvant travailler de façon interne à l'interne avec le banque, aussi avec les partenaires et s'assurer qu'à la fin du jour, nous arrivons à atteindre l'objectif de croissance verte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ona. Tous les points excellents que vous avez mis en place. C'est vraiment très intéressant de pouvoir voir comment est-ce que vous bougez. Et sur les différentes actions sur la croissance verte. Et je suis sûr que nous aurons plusieurs questions. J'ai eu un boulot assez facile aujourd'hui parce que tout le monde respecte leur temps. En plus de présentations qui seront délivrées par Hannes, qui vient de la plateforme, qui est manager de la plateforme de Green Industry, de croissance verte, et qui va discuter avec nous comment est-ce que créer la connexion. Et juste un peu sur le programme de Hannes, son expertise et sur décarbonisation avec un focus sur détruire les problèmes de communication, relier les problèmes de communication. Alors, vous pouvez commencer votre présentation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Donnez-moi juste une seconde pour que je partage mon écran et nous pourrons ensuite commencer directement avec la présentation. Et c'est un pour vous donner une introduction à GGP et ce que nous faisons. Et je viens vraiment du côté de l'industrie et comment est-ce que nous travaillons afin d'aider les petites entreprises contre les petites et moyennes entreprises au niveau de cette industrie. Alors, je voudrais partager d'une initiative qui est le IG, que nous avons essayé de mettre en place afin d'aider les travailleurs ici vers
lots to upscale resource efficiency. And very importantly, when it comes to industry and lorsqu'on parle d'industrie, on the SMEs, we don't actually talk about green growth. We talk about resource efficiency to give it a more practical l'efficacité afin de pouvoir mettre. Et une des difficultés afin de pousser les petits et moyens entreprises à être beaucoup plus efficients est que la ressource n'est pas difficile, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Pour ça, cela requiert aux PME de changer leur système d'opérationnalisation, leur façon d'utiliser l'eau. Et aussi, ce n'est pas seulement ça. C'est comment est-ce qu'on peut s'engager avec le société. Alors, les challenges de IGO est de voir deux différents systèmes. La première, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de connecter avec un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises dans chaque différent pays. Et si nous réussissons à connecter avec ces petites et moyennes entreprises, à s'engager avec eux, à les convaincre des bénéfices, comment est-ce qu'on peut aller travailler avec eux afin de pouvoir répondre à leurs différents besoins? Ce que nous avons ici avec le IGO, l'initiative IGO, c'est un nombre d'étapes que nous prenons en place afin de pouvoir mettre en place ces différentes connaissances, afin qu'ils puissent utiliser cette connaissance. Parce que nous sommes le travail de pays en pays pour essayer de travailler ensemble afin de mettre en place des systèmes. Parce que ce qui est important ici, nous ne faisons que juste mettre ces informations en place. Toutes les solutions financières qui existent dans un pays, quelle assistance est disponible et tout ce qui peut aider un SME afin d'être beaucoup plus, afin d'avoir plus de ressources et aider d'avoir un centre d'aide et de soutien des PME et qui pourrait regrouper tous les différents sujets sur lesquels nous travaillons. Et le fait d'avoir un groupement de données peut être très important et savoir ce qui est vraiment très important pour ces moyennes entreprises. Et voilà pourquoi nous avons développé cet outil qui s'appelle l'assistant IGO. Et cet outil permet de faciliter l'accès à toutes ces différentes données, ces informations que nous avons. Comment est-ce qu'on peut aider une PME à pouvoir réussir à avoir toutes ces différentes informations? Il y a deux choses. La première, c'est un assessment personnel en interne pour savoir quelle est l'efficacité. Et en fonction de nous pourrons savoir l'efficacité en termes de ressources, leurs connaissances et les services dont ils ont besoin, selon leur location, leur taille. Et cela nous permet de développer en fait la connaissance de ce qui est déjà là dehors et adapter cela aux besoins de chaque PME. Et ensuite, en troisième étape, nous pouvons maintenant aider les PME à mettre en place le programme d'efficacité. Et lorsqu'ils veulent faire quelque chose, nous allons maintenant les aider et ensuite savoir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et ensuite, nous allons les mettre en contact avec le manager en charge de la mise en œuvre de l'implémentation. Alors, après toutes ces différentes étapes que nous considérons comme des outils, nous avons la méthode IGO. Parce que les outils ne sont pas nécessaires si nous ne pouvons pas toucher l'audience que nous voulons toucher. Et nous avons maintenant un network IGO. Et ce network, cette connexion, nous essayons de développer une sorte de network de connexion au sein du niveau pays, du pays et que nous pourrons maintenant connecter avec d'autres partenaires et créer des associations, des partenariats business national, au niveau national, au niveau international. Et cela peut permettre. Et cette connexion est vraiment très importante parce qu'à travers cette connaissance, nous pouvons collecter collecter les différents services et les différentes connaissances qui existent et aussi les promouvoir. Alors nous aidons ces organisations
qui font partie de ces IGO, connexions de pouvoir mieux utiliser les différentes connaissances et les différents services. Nous essayons aussi de faciliter le partage d'expériences, la collaboration entre les différents membres, l'accès à de l'expertise internationale. Nous essayons aussi de les aider à améliorer les opportunités de financement. Et lorsqu'ils sont capables d'accéder à des opportunités de financement, nous pouvons maintenant les soutenir en développant de nouvelles capacités de ressources ou juste simplement adapter en fait des services existants liés à leur pays. Alors ce network a pour but de résoudre tout cela et les donner accès. Et nous essayons de faciliter le management de toutes ces connexions à travers le Green Forum que nous avons. Ça ressemble beaucoup à LinkedIn, très similaire à LinkedIn, et c'est vraiment un moyen très important de pouvoir engager tous les différents membres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie cela aide les petites et moyennes entreprises à accéder à ce dont ils ont besoin pour améliorer leur business, ce dont ils ont besoin afin d'être beaucoup plus efficients. Cela permet d'aider les organisations, toutes les organisations qui travaillent avec les petites et moyennes entreprises, à être capables d'appliquer ce qu'ils offrent aux petites et moyennes entreprises et aussi et améliorer leurs différents services. Cela permet aussi aux donateurs qui soutiennent ces organisations de pouvoir comprendre où est-ce qu'ils doivent envoyer le fonds en fonction de l'impact et des besoins souhaités. Et aussi, c'est très important pour les associations de business qui permettent d'apporter de meilleurs services aux petites et moyennes entreprises, peuvent mieux les permettre d'être sur les difficultés dans le futur, les crises ou d'autres difficultés qui pourront les empêcher. Et comment est-ce qu'ils les permettent de devenir beaucoup plus durables? Et aussi les leaders des chaînes de valeur, parce que nous avons des entreprises, des PME qui sont des leaders des chaînes de valeur, et ils ont souvent des difficultés en fait de pouvoir connecter avec ceux qui les proviennent, ceux qui les offrent les services. Et nous devons essayer d'adapter, améliorer cet engagement. Et c'est comme ça que nous essayons de les soutenir. Et à la fin, cela permet de financer, bien sûr, ces institutions. Parce que les institutions financières ne sont pas très connues pour financer le financement des PME. Et les institutions financières peuvent financer ces petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent investir sur des projets d'efficacité. Alors, je voudrais conclure ma présentation assez brève et vous laisser juste ces mots. Que IGO permet de connecter les différents points. Donc, cela permet juste une meilleure utilisation de la connaissance que nous avons déjà et de comprendre quelles sont les difficultés, quels sont les manquements qui existent entre le niveau de la connaissance. Nous avons quelques liens que j'ai laissés au niveau de la dernière page. Vous pouvez aller vérifier notre solution IGO, qui est notre outil. Et je vous invite beaucoup à vérifier notre et aussi permettre à d'autres moyens d'entreprise de pouvoir connaître cette solution. Merci beaucoup pour ces détails. Sur les différentes actions qui sont mises en place. J'ai vu que vous avez mentionné une partie très importante et ce qui résonne toujours en moi, c'est l'efficacité des ressources. L'efficacité des ressources n'est pas compliquée, n'est pas difficile, il est juste compliqué. Nous avons eu plusieurs questions qui arrivent. Je pense que nous pouvons commencer avec les premières questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre au niveau du chat. Je pense que par moment, j'aimerais demander à tous les différents présentateurs de remettre leur caméra pour qu'on puisse les voir. Alors, je vais passer à la première question qui est venue. Cette question concerne la formation en croissance verte qui se passe en Indonésie.
à Dr Bassam. Est-ce que vous pouvez juste discuter de cette question? Est-ce que cela est ouvert au public? Est-ce que c'est ouvert aux organisations de développement? Est-ce qu'il y a des formations qui sont spécifiques à l'intégration de la croissance verte dans un système de transformation alimentaire? Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais dire que notre formation en croissance verte est spécialement désignée pour les travailleurs gouvernementaux. Cette formation n'est pas désignée à d'autres organisations publiques. Mais si le public voudrait améliorer leurs compétences en croissance verte, bien sûr, ils peuvent proposer montrer leur intention, envoyer une proposition à notre institution et nous pourrons créer une version de cette formation en fonction de leurs besoins. Concernant l'intégration de la croissance verte dans un système de transformation alimentaire, bien sûr, dans le programme 2020, nous avons essayé d'avoir des travailleurs agrémentaux, des travailleurs gouvernementaux qui venaient du département d'agriculture. Nous avons eu des participants qui venaient du département de l'agriculture. Et ils peuvent aussi utiliser le contenu de ces formations afin de pouvoir le mettre dans leurs besoins. Incluant tous les différents secteurs, hein, pas seulement le secteur de transformation agricole, tous les différents secteurs du gouvernement, ils peuvent adapter cette formation à leurs différents besoins ou les aspects dans lesquels ils travaillent. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour cette question. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question est pour Auguste. Comment est-ce que vous arrivez à pallier aux difficultés de financement pour vos projets? Parce que je pense que les autres aussi peuvent aussi contribuer, parce que ce n'est pas seulement lié à l'association de M. Auguste. Nous travaillons avec des structures gouvernementales comme Facebook, Coca-Cola, Netflix. Nous travaillons aussi des organisations des Nations Unies, comme l'UNDP, l'UNICEF. Nous essayons aussi de mettre en place des projets avec des municipalités locales, avec des ministères. Et c'est comme ça que nous gagnons les financements. Il y a une personne qui peut demander la question de comment est-ce que vous essayez de pallier ces différentes difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient répondre à ces différentes questions? Enes, je vois que vous êtes. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Je pense que nous avons tous un défi à avoir des financements pour ces différents projets. Malheureusement, l'un des plus grands défis, est-ce que nous sommes maintenant en compétition pour les mêmes financements? Et pour nous, l'une des clés, au lieu d'être en compétition avec une autre organisation pour ses financements, comment est-ce qu'on peut collaborer avec ces différentes organisations afin de pouvoir recevoir les fonds ensemble? Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et voilà pourquoi, comment est-ce qu'on peut prendre une seule source de financement et financer le projet de façon plus collaborative au lieu d'être en compétition pour ces mêmes financements? Et ça, c'est l'approche que nous essayons de prendre, que nous prenons déjà et que nous... vu que ce monde de financement est très compétitif, je voudrais espérer à ce qu'il y ait une approche beaucoup plus collaborative pour recevoir les fonds. Je pense que Hannes a déjà dit assez de ce que je voulais dire, parce que avoir ce partenariat est très important. Parce que notre partenariat que nous avons créé avec la Banque de développement africain, la BAT, avec WWF, juste JJJK qui travaille juste seul, c'est difficile, mais il a plus de voix lorsqu'on travaille avec la BAT et d'autres organisations.
Et afin de pouvoir réussir à ce partenariat, nous devons travailler de façon journalière sur la connaissance. Nous devons partager les connaissances avec les autres. Nous devons discuter avec eux, communiquer avec eux, sur les dire ce que nous faisons, quelles ont été les difficultés, ce que nous rencontrons, quelles sont les idées que nous essayons de mettre en place. Et c'est comme ça que nous essayons de trouver des solutions aux défis. Alors, additionnellement au partenariat, il faut une certaine communication avec les différents partenaires, une certaine collaboration, et aussi au niveau public, nous pouvons aussi partager ce que nous essayons de faire. Et cela aussi peut aider à faire que nous ayons plus d'opportunités de collaboration et plus d'opportunités de financement. Et c'est ce que je voulais ajouter à ce que Anès a mentionné. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter autre chose sur cette question? Alors, nous allons passer à la prochaine question qui est pour Son et Dr. Ona. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'interconnexion des différents piliers sous l'ADF et comment est-ce que cela sont connectés aux uns les autres? Comment est-ce que ces piliers sont mutuellement dépendants? Je pense que vous pouvez voir cette question aussi au niveau de votre point de chat. Je voulais savoir qui est-ce qui voudrait répondre à cette question d'abord. Merci beaucoup. Alors, c'est une très belle question. Parce que lorsque cette structure a été mise en place, le but était d'exprimer le capital naturel et intégrer cela au niveau des finances de l'Afrique. Et nous avons rencontré d'autres défis au niveau du secteur financier, parce que nous avons vu le besoin de pouvoir générer de la connaissance. Parce que la connaissance sur ce sujet, la connaissance va être très, très limitée en Afrique. Alors nous devons intégrer cette connaissance au niveau de nos différents piliers. Alors, la première, l'intention était d'améliorer l'application afin de prioriser les projets d'infrastructures comme ceux qui ont été effectués en Mozambique et en Tanzanie. Et en faisant cela, il y a des leçons qui ont été apprises, il y a la connaissance qui a été générée, et nous pouvons transformer cela à développer un consensus pour des approches de capital naturel, pas seulement de l'AFDB, mais à travers d'autres organisations aussi. Et le troisième pilier, vu que c'est une activité de financement, nous devons aussi voir comment est-ce que cela peut être s'adapter au système de crédit africain. Et pour ajouter ces différentes questions, ils sont très connectés parce que cela consiste à générer la connaissance, connecter cela à l'écosystème financier africain et utiliser toutes ces informations afin de renforcer les capacités, améliorer les capacités des Africains sur le capital naturel et les ressources du capital naturel. Donc, c'est l'interconnexion qui existe dans ces différents piliers. Et il faut travailler de façon indépendante. Parce que nous pouvons bâtir, améliorer les capacités sur des structures spécifiques sans vraiment pouvoir entrer dans d'autres situations. Mais à cause du contexte, des financiers, du développement financier, cela donne plus d'idées de pouvoir les connecter ces choses ensemble. Mais la question directe est l'interconnexion. Ils ont interconnecté, même s'ils peuvent travailler de façon indépendante, à les travailler ensemble comme un seul package. Merci. En effet, monsieur, on a complètement couvert ce que je voulais dire. Un seul point que je voulais aussi ajouter, c'est que nous voyons une sorte d'élément de renforcement. Parce que lorsque nous essayons d'identifier des cas utiles pour les modules de formation que nous développons, il n'y a pas assez de cas que nous pouvons trouver en Afrique. Alors, lorsqu'on aura plus de cas générés en Afrique, sur les projets de capital naturel, comment est-ce que cela peut être impliqué dans les systèmes financiers, dans les projets? Cela, on aura beaucoup plus de contenu dans notre formation et cela peut nous aider aussi à renforcer les capacités des personnes en Afrique. Par exemple, les policiers, ceux qui sont en scène, afin qu'ils aient plus de matériel, des matériels beaucoup plus riches, puissent apprendre plus et puis générer aussi des cas. Des cas assez positifs. Merci beaucoup. Je pense que vous avez mentionné des points très importants.
juste ajouter à ces différents points, ma prochaine question est de savoir comment est-ce qu'on peut assurer que le capital naturel reste en place même après la fin du programme. Peut-être que les autres aussi pourront discuter de leur projet aussi, mais nous pouvons commencer avec vous pour le moment. Merci beaucoup. Je peux donner une réponse à cela aussi. Nous portons beaucoup d'attention sur ce point. Parce qu'une des raisons pourquoi les projets échouent en Afrique, c'est le manque de durabilité. Nous avons plusieurs intervenants. Certains viennent à court terme, certains viennent à moyen terme. Et ensuite, lorsque ces projets sont terminés, il n'y a pas de transfert de toute technologie, il n'y a pas de renforcement des capacités au niveau des Africains eux-mêmes afin qu'ils puissent continuer ces différents programmes. Alors, ces programmes meurent juste. Alors, le MC4 IDF n'était pas mis en place pour être échoué, mais il a été mis en place avec un but de durabilité. Et voilà pourquoi nous voulons renforcer les capacités. Parce qu'avec la BAD, la Banque africaine de développement, ce que nous voulons faire, c'est utiliser ce programme afin d'informer les stratégies sur le plan d'investissement du capital national qui va commencer de 2023 à 2027. Et dans ce programme, nous essayons d'assurer que le capital naturel est un des piliers de tout ce qui se fait. Alors, nous essayons de faire en sorte de partager cette connaissance afin que cela devienne automatique. Et lorsque nous faisons cela, nous espérons qu'il y ait des effets en cascade. Parce que ce n'est pas seulement lié à Banque africaine de développement, mais que cela aussi puisse toucher d'autres banques africaines qui peuvent mettre en place des stratégies, des plans de développement, afin de pouvoir aussi inclure cela dans les différents pays. Alors, nous avons un plan de durabilité et nous espérons de pouvoir travailler avec de nouveaux partenaires, d'avoir beaucoup plus de collaboration, afin d'avoir plus de succès. Alors, c'est Innocent a vraiment parfaitement couvert. Et je peux dire que nous sommes vraiment très, très, très chanceux que la BAD soit très active dans ce programme et qu'ils essaient de travailler de façon interne dans, comme une stratégie. Et je pense que ça, c'est déjà un élément de succès en termes de durabilité. Et il a aussi mentionné l'idée de l'Institut africain de développement afin d'inclure. Et nous essayons aussi de mettre cela au niveau de la formation avec les membres, les pays membres de la BAD et aussi avec d'autres institutions financières aussi en Afrique. En plus de cela, je voudrais aussi ajouter que l'AFDB, ils sont vraiment très chanceux d'avoir pu travailler avec JDK. Parce que nous essayons de faire du management, de partage de connaissances, de gestion. Et lorsque nous aurons tous ces produits de connaissances qui sont disponibles en ligne gratuitement, cela sera toujours accessible. Sera toujours accessible à tout le monde, à tout le public qui pourrait être intéressé à savoir plus du projet et ce que nous avons fait et quelles sont les études de cas qui ont été faites. En plus de cela, en addition, nous sommes vraiment très chanceux de travailler avec AFDB parce que AFDB est vraiment impliqué à pouvoir montrer des cas exemplaires, ce qui peut être fait de façon afin d'intégrer le capital naturel, pas seulement au niveau des pays, mais développer les institutions financières. Et l'AFDB a fait en sorte de pouvoir développer des partenariats avec l'association africaine, des financements, afin de les inclure dans ces différents processus. Et ils ont leurs membres. Ils sont membres, comme le Banque de développement de l'Afrique du Sud, la Banque de développement en Zimbabwe. Et lorsque nous avons toutes ces connaissances et toutes ces preuves, nous avons d'autres partenaires qui pourront travailler à travers AFDB, le partenaire avec AFDB, afin de partager toute cette connaissance et les laisser savoir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait comme succès, quels ont été nos défis.
Je pense que nous sommes très contents de travailler avec FDP sur ce projet de partage de connaissances avec ces personnes dans le pays. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense que d'autres panélistes aussi ont aussi parlé du besoin de partenariat. Alors, Dr Bassang, voulez-vous ajouter quelque chose à cette question aussi? Comment est-ce qu'on peut assurer la continuité des différents projets? Comment est-ce qu'on peut assurer et s'assurer que le projet est durable? Je pense que la durabilité du projet est vraiment un souci très important, spécialement dans le projet. À mettre en place les formations en santé verte. Parce que, comme nous le savons tous, il y a beaucoup d'acteurs qui sont font partie du gouvernement qui ne maîtrisent pas le concept de croissance verte. Parce qu'ils voudraient améliorer leur capacité économique afin d'avoir plus de bénéfices. Et aussi, ces acteurs veulent aussi ajouter plusieurs choses afin de pouvoir combattre et de pouvoir diminuer ou même d'arrêter les compétences en croissance verte, spécialement à travers les travailleurs gouvernementaux en Indonésie. Et ce que nous devons faire, c'est de travailler de façon plus à mettre en place ces formations, formations vertes, les formations vertes. Et ensemble avec l'Institut GGI en Indonésie, nous avons essayé utiliser des approches de formation qui pourront vraiment toucher la vision ou bien la mentalité des participants de façon beaucoup plus technique. Nous voulons avoir une immersion totale. Alors notre formation de promotion est assez difficile. Nous ne les équipons pas seulement qu'avec la connaissance, mais nous les équipons aussi avec le côté affectif. Alors, le participant peut avoir une motivation assez élevée afin de mettre en place. Alors, nous pensons qu'avec ce genre de programme, nous pouvons avoir des alumni ou des participants qui auront une plus grande motivation. Et nous pensons aussi qu'avec ce genre de participants, avec les alumni et la continuité de l'implémentation de ce concept de croissance verte, nous aurons une continuité de l'implémentation de ce concept de croissance verte. Thank you so much. The next question et merci beaucoup. La prochaine question est de savoir, est adressée à Anes, de savoir quel est le challenge, le défi le plus important pour les petites et moyennes entreprises, afin qu'ils soient plus efficients. Quel est le défi? Je pense que c'est une très bonne question. Je ne peux pas clairement... Voilà pourquoi c'est... Comme je le dis, c'est très compliqué. Parce qu'il y a rarement un cas de business qui pourrait permettre au PME d'être complètement efficient. Il n'y a pas de raison pour eux d'investir sur les raisons d'efficience. Parce que ce sont des entreprises et ce sont des petites et moyennes entreprises et les entreprises à qui ils offrent leurs services ne veulent pas forcément d'être plus efficients, efficient côté énergie. Nous parlons de la majorité des cas. Et ça, c'est un gros problème. Parce que les petites et moyennes entreprises, dans la plupart des cas,
sont intéressés à être durables parce que c'est des petites entreprises, ils ont une plus grande connexion locale, ils peuvent appartenir à une famille et dans plusieurs des cas, ils sont plus enclins vers la durabilité que les multinationales. Mais ils n'ont pas d'argent pour investir dans quelque chose qui ne peut pas les apporter encore de l'argent. Et cela est un grand défi. Et ce que nous devons faire pour pallier à ce défi est de travailler avec les acheteurs, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau de la chaîne de valeur, plus haut au niveau de la chaîne de valeur, de ces petites et moyennes entreprises, et comme essayer de développer une relation assez forte entre les acheteurs et ces petites entreprises, que ce soit à travers un meilleur contrat, des prix meilleurs, et cela peut leur permettre aussi de pouvoir développer leur efficacité et d'avoir une sorte d'efficacité de ressources. Parce que les acheteurs sont en charge les multinationales sont responsables. Donc, c'est aux intérêts des multinationales à ce que ceux qui les offrent leurs produits de pouvoir respecter les normes environnementales. Mais il y a une certaine déconnexion qui existe entre ces deux entités. Alors, c'est un très grand défi pour nous et c'est ce sur quoi nous essayons de travailler à travers AIGO. Nous n'avons pas travaillé avec notre engagement avec les grandes multinationales. C'est déjà une activité que nous menons afin de pouvoir trouver une solution à ce challenge. Et nous avons donné une plateforme sur laquelle nous pourrons y aller et discuter aussi. Donc, nous allons partager forcément la page de AIGO dans le chat pour ceux qui voudraient. Je voudrais aussi ajouter un de nos interprètes français pour qu'il puisse traduire cette question. Peut-être c'est un commentaire. Est-ce qu'on peut avoir cette traduction? Je pense que c'était difficile de traduire et de saisir en même temps. Okay, so we'll work it out. But there is a French comment question in the Q&A box. So I personally do not speak French, so I'm not able to translate it to any of you. So we will work on it. Muna, if you want, I can quickly say it. Okay, great. So access to green finance for, let's say, female farmers that are in the, let's say, energy transition using solar power in Senegal is, and in particular in the zones that are very agricultural, is a major problem. There are no financial institutions, no suppliers, even when the zones are providing up to 50% of the vegetables in Senegal. So basically, access to green finance is a big issue, even though the female horticulturists are working towards an energy transition. And the reason is that there are just no financial institutions and no suppliers to support this work. What can we do to help them? And I guess there was that other element of women being particularly impacted, women having access to that finance. So who would like to speak to that? I can try, because that question is coming from one of my constituencies. So l'une de ces questions vient de l'une de mes connaissances, alors je voudrais essayer de répondre à cette question. Alors, l'accès aux finances, au financement vert pour les femmes est un challenge. Si vous avez suivi l'éducation globale à travers le fait d'atteindre les 1 milliard de dollars, le challenge est vraiment pire pour les femmes, surtout en Afrique. Cette question est une très bonne question parce que cela permet de pouvoir partager des informations. Et cela, c'est pourquoi cette semaine est très importante.
Parce que c'est une plateforme d'échange d'informations. Alors, je voudrais partager, parce que nous avons eu AFAWA, qui est un projet, qui est une initiative panafricaine, afin de qui pourrait réunir 42 millions de dollars. Et ce projet est en mise en œuvre actuellement. Donc, c'est une approche beaucoup plus holistique afin de pouvoir avoir de l'assistance technique et avoir une assistance au niveau de l'environnement. Maintenant, pour cette question particulière, cela est lié à la FOA, le financement à FOA. Je pense que cette information n'est pas d'abord dehors, mais les agriculteurs féminins doivent travailler ensemble en tant que coopérative afin de pouvoir avoir accès à ces financements. Premièrement, ça commence avec l'accès aux différentes informations. Si vous pouvez rejoindre une des équipes de la BAD au Sénégal, vous pourrez avoir plus d'informations sur ce sujet. Nous avons des qui peuvent travailler ensemble et qui peuvent travailler ensemble et qui peuvent travailler avec d'autres indicateurs et des métriques et qui peuvent aider dans ces cas de figure. Et qui peuvent améliorer l'adaptation de ces différents produits. Et je pourrais dire simplement que la banque pourrait atteindre ces Je pense que cela existe déjà. Le but est juste de s'organiser et de pouvoir remplir les différents critiques et de pouvoir faire partie de cela. Je vais partager le lien sur le programme AFAWA. Je ne sais pas si je peux juste le partager. Merci beaucoup. J'aimerais, vu que vous travaillez avec des jeunes, peut-être si vous pouvez aussi répondre. Si vous pouvez aussi répondre à différentes questions afin de prendre des actions, de pas seulement discuter, mais de pouvoir répondre aux différentes questions. Si vous pouvez juste parler juste un peu de l'application et des connexions que vous avez au niveau de votre communauté. Nous travaillons aussi avec avec d'autres projets. Nous essayons de faire en sorte que ces volontaires soient présents. Le projet devient durable parce que nous pouvons les apporter des formations et cela fait environ 50 ans que nous travaillons avec. Parce que la durabilité du projet, parce que nous essayons de faire en sorte que ces projets. Merci beaucoup. Alors, vu les problèmes de temps, nous avons juste 6 minutes restantes pour cette session. Avant de passer la parole à Yves Young pour les remarques finales, je voudrais demander aux différents panélistes s'ils ont des idées finales ou bien des questions finales pour tout le monde. Est-ce que Samuel pourrait commencer? Sancho, en travaillant sur cette activité, j'ai trouvé que la connaissance nature de ces choses au niveau des politiques gouvernementales, la raison est que pour discuter de capital naturel, on a besoin d'une connaissance des définitions, des termes. Nous devons aussi avoir une certaine connaissance, partage de connaissances aussi. Et dans plusieurs cas, avoir différentes approches. Et ces approches ne sont souvent pas partagées, spécialement au niveau du partage des connaissances. En addition à cela, nous avons besoin d'un transfert des connaissances. Et maintenant, les gens comprennent ce que c'est que le transfert de connaissances. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce capital naturel afin de pouvoir mettre en place des politiques au niveau de la croissance verte.
il y a des outils très techniques qui sont disponibles afin de pouvoir avoir des données, un transfert des connaissances. Dans le sens où je suis très, très honoré de travailler avec l'AFDB et JGK afin de participer au partage de connaissances pour le développement de la croissance verte. Et je voudrais juste finaliser avec quelques-uns des défis, mais nous travaillons de travailler afin de développer ce partage de connaissances. Merci beaucoup à vous. Dr Bassam, voulez-vous y aller prochainement? Juste votre dernière idée. Alors, dans plusieurs pays, le rôle des travailleurs gouvernementaux est très important. Parce que souvent, ils mettent en place les politiques publiques et aussi la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et dans plusieurs des cas, ils donnent aussi des financements. C'est très important pour les officiers et les travailleurs gouvernementaux de pouvoir recevoir toute la connaissance, le concept de croissance verte, de formation, avec ces différentes compétences, ils sont capables de pouvoir mettre en place des actions et des initiatives au niveau de la croissance verte. Merci beaucoup. Innocent, est-ce que vous voulez juste dire quelque chose en une phrase? Je voulais juste encourager tous les participants, spécialement ceux qui sont en Afrique, parce que le concept de capital naturel n'est pas très étrange. C'est quelque chose dans lequel ils travaillent déjà. Et si vous voulez le voir de façon plus séculaire, ou les choses aussi simples comme le management des déchets, gestion des déchets, sont des modèles qui permettent de développer l'efficience et peuvent permettre de réduire l'impact sur le gouvernement, ou juste le fait de pouvoir avoir des produits de façon plus environnemental, tout cela peut être considéré comme les indicateurs de croissance verte. Tout ce que vous devez faire de votre location est de contribuer à ce mouvement global. Merci beaucoup. Auguste, je pense que le soutien du gouvernement est très important pour la transformation de la Turquie. Nous pensons que nous pouvons réussir cela. Merci. Anis, nous devons être mieux à pouvoir comprendre les réalités qui sont sur le terrain et je pense que l'enforcement des capacités est vraiment très important. Parce que sinon, tout ce que nous aurons eu à discuter n'aura pas d'impact. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui va terminer la session. Il travaille à GGI, il travaille avec le travail GGKP de la perspective GGI. Inwoo, vous pouvez faire les dernières remarques. Merci beaucoup à tous les différents présentateurs. Aujourd'hui, nous avons discuté sur l'importance de la formation des travailleurs gouvernementaux parce que nous parlons des régulations et des politiques, mais nous ne parlons pas de ces personnes, des travailleurs gouvernementaux, les leaders qui implémentent et qui mettent en œuvre ces différentes politiques et qui sont en charge de la transformation au niveau des pays. Nous avons aussi des cas très intéressants à travailler, à monter des partenariats, mais aussi à travers ces différents partenariats, nous pourrons permettre aux jeunes de pouvoir renforcer les différentes capacités. À travers Anis, nous avons réussi à discuter de l'idée de ne pas laisser tomber 99% des entreprises du monde. C'est vraiment très intéressant d'entendre que cette solution iGo est vraiment très importante. Cette initiative permet aux petites et moyennes entreprises et les associations à travers le monde de pouvoir travailler de façon plus opérationnelle et aussi d'avoir une approche beaucoup plus durable. Aussi, je voudrais donner un exemple du capital naturel avec le travail fait par la Banque africaine de développement sur l'évolution, sur comment est-ce que la connaissance est générée et partagée, et si à travers des individus, des experts, des professionnels,
et en espérant que cela puisse être partagé au niveau régional et global. Je voudrais aussi savoir qu'il y a un thème commun qui vient de toutes ces différentes présentations. C'est un thème de pouvoir renforcer les capacités pour avoir un impact assez important. Et d'avoir des partenariats égaux. Parce que si vous ne partagez pas les différentes connaissances, cette connaissance n'est pas très importante. Nous avons un thème aussi très commun, c'est que ces différentes activités et ces initiatives ont besoin d'investissement et ont besoin d'être durables. Parce que nous avons besoin de ressources, mais nous avons besoin de partager cette connaissance afin de développer dans les deux sens, d'amont en aval ou d'aval en amont. Et je pense que tous les différents panélistes et tous les différents participants qui travaillent aussi dans ce sens. Merci beaucoup à tous d'avoir été là pour cette session. Merci aussi d'avoir contribué pour un futur beaucoup plus durable. Ceux qui seront intéressés par ce sujet, des différentes bonnes pratiques dans le cadre de l'Afrique, vous pouvez joindre la prochaine session qui va juste commencer dans 1h30. Merci beaucoup à tous pour votre attention et passez une agréable journée.